Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode d'Ame World sur Planet Coaster. On est de retour sur Busch Gardens Asia, toujours accompagné de mes trois acolytes, Dim, Fred, Papyrus, pardon. Hey, bonjour. Et notre ami Ryder. Hello tout le monde. Et donc aujourd'hui, c'est mon tour. C'est forcément pour ça que c'est moi qui présente d'ailleurs. Et je vais présenter du coup ma zone, mais dans un second temps, parce que j'ai fait pas mal de tout petits trucs avant. La première chose, en fait, vous voyez, c'est ça. En fait, je sais pas si vous avez remarqué sur le dernier épisode, mais il manquait des supports sur la force drop du coaster de ça, de Ryder. C'était pas le détail qui me choquait le plus. Ouais, mais voilà, moi ça m'embêtait. Et puis après, c'est quelque chose qui m'a pris, je crois, 5 minutes à faire. Donc je me suis dit, allez hop, on va juste rajouter ces deux-là. Et voilà, donc là c'était vraiment un petit aparté très rapide, quoi. On va un peu voler en rase mode du coup pour aller pour retourner du coup plus vers la zone de Dim. J'ai pas fait de modif vraiment sur les zones en elles-mêmes. Parce que ça appartient, voilà, je sais pas toucher à ce qu'on fait les autres. Juste Dim, j'ai modifié en fait, je t'avais dit dans ta vidéo, les deux lumières au niveau des momies, qui étaient un peu blancs, je les ai passées en jaune parce que je trouvais que ça faisait un peu blanc. T'as osé modifier les lumières ? J'ai osé modifier, et j'ai rajouté un petit peu de brume parce que ça faisait un peu plus mystérieux. Ah, j'ai décalé, je suis perdu dans ta zone, c'est pas grave. J'essaie de pas montrer un truc, de pas faire de spoil avant l'heure. Pour l'instant, ça va. J'ai modifié aussi là le scorpion, la lumière qui passait dessus. Voilà, c'est juste vraiment les deux choses que j'ai modifiées. J'ai rien modifié d'autre en fait. J'ai juste modifié un peu au niveau de l'accès à la zone. Alors le côté gauche a pas bougé. Par contre, le bateau pirate n'était pas là la dernière fois. Hein. On est bien d'accord, hein. Ouais, j'ai rajouté ça en plus. En fait, je trouvais que ça... On fera le tour après de l'autre côté, mais je trouvais que ça faisait le lien entre la partie, donc la file d'attente. Alors, je suis à exprès de pas trop tourner la caméra, parce que je ne comprends pas qu'on va se clôter, mais en fait, si on revient sur nos pas, il y a la file d'attente, du coup, de mon shoot de chute. Et en fait, on avait un petit espace vide, et on arrivait sur la zone d'Armani, de Dim. Et je me suis dit... On avait parlé, je crois, dans le premier épisode, de se dire un bateau pirate irait carrément petit. Et en fait, ouais. Donc ça, enfin, au niveau de la zone, effectivement, ça rend carrément bien, quoi. Tourne vers la droite, parce que je vois très mal, là. Non, je peux tourner par là. Je peux tourner là, tu vois, mais après... ce qu'on va faire, c'est qu'on va revenir un peu en arrière. On va passer un peu comme ça, donc pire, on va passer au-dessus. J'aime bien, on voit toutes les tours, là, que t'as fait, Dim, au loin. Mais c'est fait pour. Je trouve que c'est trop bien. J'ai essayé de garder du coup cet aspect là. Du coup, j'ai rajouté hop un petit requin qui bouffe les visiteurs. Ah voilà. Voilà, c'est parce que je trouvais que en fait le plan d'eau était un peu plan. Ouais. Plan d'eau. Et du coup voilà quoi. Donc j'ai juste rajouté ça. J'ai juste rajouté comme ça et en fait j'ai fait la file d'attente sur des jetés, des pontons. Pour faire en fait un effet port ou un effet bateau qu'elle sèche, quoi. Ah, une cale sèche bizarre. Il n'y a absolument personne dedans, par contre. Ouais, ça, il n'y a jamais personne, hein, dans les bateaux pirates. Après, je suis resté, c'est vraiment un truc tout simple, hein, parce que j'ai juste mis quelques pierres en dessous, histoire qu'on voit pas les fondations. Un petit bâtiment pour être à l'ombre, et en fait, qui sert aussi de protection si jamais un truc venait tomber en dessous. Et puis, ça s'arrête là, en fait. Il est déjà assez thématisé d'origine, comme ça, le raid, donc j'ai pas rajouté grand chose. Parce que du coup là les contreforts en pierre là c'est le ouais, tout ça c'est de, en fait moi j'ai rajouté du coup donc les barrières en filet ici et les lumières, enfin les torches. Par contre en fait tout l'escalier, les tonneaux, le contrefort en pierre, c'est d'origine de enfin, le ride est comme ça du coup. D'accord. Ça aide d'un côté, il est vachement beau comme ça sur une théma pirate. Après, le problème, c'est que si tu veux le mettre sur autre chose, t'es un peu raté. Ah, c'est le problème du bateau pirate, quoi. C'est un bateau pirate, quoi. Donc, et puis voilà, j'ai essayé de le mettre aussi dans un coin. En fait, c'était vraiment le seul coin où c'était pas thématisé ici, entre la plage d'Ime et le shoot de chute.
Et en plus, là, ça allait très bien parce qu'il cachait, pas la vue en fait de la zone de Dimitri en fait. Faut que j'arrête de vous appeler par vos prénoms parce que. On veut être connu donc. Ouais, j'espère. C'est pas grave, vas-y. Donc voilà, après quand on revient au niveau de. J'essaie d'en revenir au niveau de la zone d'entrée. Voilà, ça cache pas la perspective de la zone et en plus ça habille directement et ça reste dans le thème. Quoi. Oui, c'est vrai que t'avais un petit trou quand même entre les arbres. Ouais, il y avait un trou, je me suis dit, on peut pas faire grand chose. Alors après, j'ai pas continué l'autre côté de la zone parce que j'en ai déjà fait une grosse à côté, donc je me dis, on va s'arrêter là. Mais voilà quoi. Donc là, vraiment, c'était un petit ajout, c'était les deux petits, les quelques modifs rapides. On ira voir peut-être en fin de vidéo juste ce que j'ai fait sur le truc de Dimitri. Mais vraiment, c'était vraiment du peaufinage, histoire d'améliorer. De peaufiner ce qui était déjà très bien fait à la base, quoi. Ah, dis donc, et plus on avance, moins il y a de gens dans ce parc. Ouais, ils sont. Les vendeurs, ah, oui. Pourquoi ils sont partis, du coup. Parce que moi, j'ai désactivé le truc. Et donc là, en fait, on a quelques modifs. Alors, on voit pas encore trop d'ici. Mais on voit qu'en fait, derrière le bâtiment, je l'ai terminé. Et en fait, on a la gare du monorail. Pas du monorail. Du Skyride. Ouais. Skyliner. Télécabine, voilà. La gare que j'ai intégrée du coup au bâtiment que j'ai terminé. Et en fait, j'ai créé, donc j'ai déplacé le carrousel et sa file d'attente pour justement libérer un espace pour pouvoir aller vers la nouvelle zone. Dont il y a un gros indice sur ce que ça va être ici. Yeah. Oui. Légèrement. En fait, j'ai pas eu le temps de le faire, mais je pensais mettre des panneaux d'information, des panneaux signalétiques indiquant les différentes zones, et je pense qu'on fera ça plus tard. Et donc là, j'ai fait un petit passage semi-couvert vers la nouvelle zone, avec l'entrée du Skyride qui est ici, qu'on va prendre tout de suite. Parce qu'en fait, j'avais fait, je sais pas si vous vous rappelez, j'avais fait un étage au bâtiment de la Main Street, et en fait, je m'en suis servi pour faire la file d'attente. On dirait que ça a toujours été là, le machin. Donc, j'ai pas envie que là, cette façade-là n'a pas bougé. Et je me suis dit, ça permet de faire une file d'attente facilement plaçable. En plus, ça donne une jolie vue sur le parc de là-haut. Et on vient rentrer, en fait, les portes, ça c'était déjà existant. Donc j'ai juste remodifié pour en fait qu'on donne directement là-dessus, quoi. Mais on va pas y aller tout de suite. Oh. C'est dommage, c'est vraiment l'attraction que j'attendais. Hein. Ouais, parce que ça. Alors, pareil de l'autre côté, pour l'instant, ça arrive derrière l'Inverted. Elle est totalement en vrac, la sortie. J'avoue que le parcours, en fait, je l'ai mis vraiment. On pourrait le laisser tel quel, parce qu'il passe sans trop dénaturer les décors. Il passe pas au-dessus des allées, au-dessus de l'attraction. Enfin, il tombe pas en plein milieu, les poteaux tombent pas en plein milieu, du coup, j'ai fait attention au placement des poteaux. Mais après, je l'ai vraiment mis comme ça. Histoire de quoi. Je pense que le tracé sera à modifier et à compléter, quoi. Et donc là, on arrive du coup sur la nouvelle zone, qui est une zone inspirée du Liban, en fait. Oh. Est inspirée du Liban, et voilà. Donc on a ici la sortie, en fait. Là, on va pouvoir y aller parce qu'on va pouvoir voir la zone. Là, c'est la sortie des télécabines. Qui sert aussi d'accès PMR parce que contrairement à l'autre, il n'y a pas de marche. Et en fait. Les détails. C'est ça, j'ai essayé d'y penser du coup. Bon voilà, après la gare, je l'ai fait à peu près. J'ai essayé de la faire simple sans trop. Voilà, et là on a une petite idée de la zone du coup. C'est vraiment pas une petite zone, ouais. Non, ouais, du coup j'ai quasiment. J'ai pas pris tout l'espace, mais j'ai pris une grosse partie de l'espace qui était derrière la zone Chine en fait. C'était vraiment entre. En fait, là, ce bâtiment-là n'existait pas parce que c'était l'arrière du bâtiment, de l'arrière. Et voilà, quoi. Et je me suis dit, en fait, pourquoi le Liban? Parce que je voulais partir sur un pays un peu plus à consonance Moyen-Orient, enfin, mais tu fais un peu dans les tons jaunes et compagnie, ocre, et voilà. Et un qui ne soit pas trop pourri en termes de droits de l'homme. Donc, le Liban.
Et l'avantage du Liban, c'est comme c'est très méditerranéen en termes de climat, en fait, je peux avoir des trucs un peu plus verts, un peu plus désertiques, et ça choque pas, en fait. Bah oui, c'est vrai que ça fait d'autres styles d'arbres, notamment, et d'architecture ouais, voilà. Que ce qu'on a déjà dit. C'était mais vraiment le truc d'avoir quelque chose qui change un peu de la zone, du coup. Donc toute la zone, en fait, s'articule au niveau de la tour de Chukil, qui est un peu le point central. D'ailleurs, on va commencer par là, ce sera plus simple. On va commencer par là parce que la légère pas, particularité. L'emplacement est un peu. J'ai travaillé l'emplacement comme du coup. Sur la droite, c'est uniquement des décors. C'est des coquilles vides. Et là, en fait, on a les deux entrées. On a l'entrée du coup donc de Zephyr, le petit carrousel de chaises volantes. Voilà, qui est tout simple. Hein. Et là, on a l'entrée de Khamsin. Les deux, en fait, sont nommés d'après des vents. Qu'on trouve un peu partout, mais je trouvais la consonance sympa et puis l'effet de vent en fait, que ça soit avec les chaises volantes ou avec la chute libre, on a quand même du coup un gros appel d'air. Je trouvais que ça rendait bien, donc je me suis dit qu'on va garder des noms là. J'ai appelé inspiration et voici. Bon, la file d'attente est toute bête. La seule particularité, c'est qu'en fait, elle est sur une espèce d'îlot avec une grosse spirale de l'hyper BM qui est là. Quoi. Spirale. Dis quoi? Ah, spirale. J'avais compris pirate, c'est pour ça que j'avais pas compris. Non, mais c'est spirale du coup. C'est parce que c'est bientôt l'heure de manger, mais enfin quand même. C'est ça. C'est ça, j'ai faim. Et donc avec voilà l'Invertel, qui veulent pas l'Invertel, le meilleur coaster que se passe là. Non, c'est un hyper coaster, j'ai compris. Je sais plus combien il fait, mais. Ouais. Et en fait là, je me suis fortement inspiré de la théma de Huracan Condor. Huracan Condor? Bah, en fait, l'idée du bâtiment autour, légèrement thématisé à l'intérieur, quoi, du coup. Après. Oui, il manque le toit, en fait. Ouais, mais je me suis dit que le toit, il était tellement haut que j'aurais pu le faire, mais je voyais pas l'intérêt, en fait. Je voyais pas l'intérêt. Ah, ça claque bien, quand même, comme ça, ouais. Mm. Avec les colonnes. Ah, ouais, voilà. Sympa. Et ouais. Après, on ressort de l'autre côté. On ressort de l'autre côté, on va aller du coup sur la gauche. Donc là, il n'y a pas grand-chose, parce que je voulais laisser un peu de nature et compagnie, et puis admirer un peu aussi du coup le BM qui se passe là. Et là, j'ai refait un foot court, que je vous avais montré d'ailleurs, où il y a resto et toilettes, important les toilettes. Et petit emplacement pour pique-nique à l'extérieur, et une toute petite salle à l'intérieur aussi, si besoin est. J'espère qu'ils vendent des falafels et du houmous. Je sais plus ce que j'ai mis. J'ai mis des trucs genre, ça s'appelle Dune Delight. Ouais. Et l'autre, c'est Sun je sais pas quoi, parce que je trouvais que les noms allaient bien. C'est quoi l'autre? Ah, c'est des choses. Choses de la salle. Mais il y avait pas de trucs forcément à consonance falafel ou mousse. Ah bah oui, c'est sûr. Donc je me suis dit, je vais prendre les trucs qui font plus appel soleil et orient. Puis c'était les deux seuls, du coup, quoi. Et puis après, là, je crois qu'il y a un truc de jus de fruits et un truc d'eau, parce que l'eau, c'est bien. C'est bien pour certaines personnes qui boivent de l'eau, mais ceux qui c'est ça. De l'eau de vie. De temps en temps, c'est bien de boire de l'eau, quoi, du coup. Ça. Après la déco... J'ai essayé de rester un peu sur des tons un peu pastel, un peu ocre, et jaune, orangé, rouge, en essayant d'avoir une variation à chaque fois pour pas que ça soit trop. Ça soit trop, comment dire, uniforme. Parce que si on avait la même couleur, en fait, de tout le temps, ça aurait rien rendu, quoi. Ça aurait rien rendu. Du coup, j'ai aussi fait un deuxième accès à la zone via ta zone à toi, Papyrus. Ah, c'est sympa, c'est ça. Bah, c'est surtout qu'en fait, ça aurait fait deux zones en cul-de-sac qui étaient côte à côte, donc je me suis dit, c'est vraiment, ça aurait été vraiment bête. Oui, exactement. De toute façon, vu comment était positionnée ta zone, j'aurais refait un chemin aussi, un accès. Donc, on a ce petit pont qui passe là au-dessus du ride, et en fait, on arrive. On arrive vraiment au bout de ta zone, en fait, de l'autre côté du lac que tu avais fait. Ah bah le fameux la fameuse
Enfin, le fameux trou que j'avais laissé exprès pour... Voilà, je trouve que c'est là que ça allait vraiment le mieux, parce que ça, comme c'était vraiment en bout de zone, ça dénature pas, et ça, voilà, il n'y a pas besoin de faire une grosse transition. Oui, puis on garde quand même un espèce d'effet un peu waouh, avec la découverte du lac et de... quand même de la... Ouais. Du village, quoi. Du comme, elle est, comme ta zone, elle est surélevée, en plus, c'est vrai que la hauteur joue pour nous en cachant un peu, et ça se dévoile vraiment au fur et à mesure, donc voilà. Et après, on redescend du coup bah, vers le BM. Faut que je regarde ses stats parce que je me rappelle absolument plus de quelle hauteur il fait, mais je crois qu'il est dans les 70 mètres et quelques. De Dieu, un grand coaster. Ouais. Et puis, bah, avec là, du coup, l'entrée, la gare, qui elle a vraiment été inspirée d'un vrai bâtiment du Liban que j'ai trouvé en cherchant sur Google Images, où il y avait du coup cette espèce de bâtiment avec les deux marches de chaque côté, et je trouve que ça rendait vachement bien. Bah, effectivement, c'est des vraies marches ou c'est juste pour. Ouais, c'est la sortie de l'attraction. D'accord. C'est la sortie de l'attraction, donc c'est totalement fonctionnel en fait. Ah, c'est. Ouais, c'est beau, mais t'as dû galérer. Un petit peu, ouais. À trouver le bon placement des marches et après à habiller avec les murs. Ou en fait, tout simplement. Ouais, chaque pont de mur en fait est un bâtiment à part entière, limite. Enfin, sur ce côté-là. Oui, pour faire le. Oui, bah, pour alors, en fait les placer correctement, quoi. Et donc, je trouvais que quand même, en entrée de coaster, ça avait. Ah oui. Ça avait un peu de tête. Alors, pour la petite histoire, parce que je vous avais parlé du nom sans vous dire ce que c'était. En fait, Saoda, c'est. Alors, il y a une version longue qui m'échappe totalement. Mais ça fait partie du nom en fait de la plus haute montagne du Liban. Et je trouvais que ça faisait du sens avec le plus haut coaster du parc. Pour l'instant. Pour l'instant. Ouais, et donc, avant d'aller du coup voir le coaster et puis peut-être de faire un tour des attractions, bah juste le dernier bâtiment. Alors en face, j'ai juste mis là des grandes barrières parce qu'on a le ride qui est quand même super proche, donc je voulais un peu de sécurité. Donc c'est pas ce qu'il y a de plus joli, mais tant pis. Et là, en fait, je voulais remettre un autre bâtiment parce que je trouvais que la zone faisait un peu vide. J'ai hésité à remettre un autre flight, voire même un disco coaster, mais ça rentrait pas. Ça aurait vraiment fait trop compacté, trop les uns sur les autres. Ouais, parce et en que... fait, j'ai On est proche de la frontière du parc aussi, non? Ouais, on est vraiment proche. Bah, en fait, je sais plus où c'est. Bah, là-haut. Ah ouais. On voit pas, il y a le. On voit pas d'ici. Il y a la zone de break, les middle break, et en fait, on est vraiment à la lisière du parc, quoi, du coup. Ok. Et pas vraiment non plus 50 000 places. Il y a des foot des rides toujours à la lisière du parc. Là, c'était fait exprès, du coup. Ça a été fait exprès. En plus, il y a une petite bulle qui délimite en fait la sortie du parc. Et je voulais pas la casser en fait, parce que ça ferme en fait. D'un point de vue, quand on est sur le chemin, ça ferme vraiment l'horizon et ça évite de voir ce qu'il pourrait y avoir en dehors du parc, quoi. Ça garde l'immersion. Sauf qu'on est dans le rail, mais après, il y a souvent beaucoup de. C'est quand même assez fréquent que des hyper BM soient en bordure de parc, quoi. Je pense à Silver Star, je pense à Shambhala, ils sont vraiment. Oui, ça fait un espèce d'appel d'offres. Hein. Oui, voilà, en plus, c'est un truc qui se voit de loin. Ouais, enfin voilà, donc je me disais que le placement était plutôt sympa, quoi. Oui. Et donc là, en fait, le bâtiment, bah, c'est des games. Elle est dévoilée. Je trouvais que ça allait bien avec le style du bâtiment. Donc il y a une machine à attraper en version vintage. Il y a un truc là, je sais plus comment ça s'appelle, mais une espèce de marabout là-dedans. Oui, c'est ça. Dit soi-disant ton avenir. Oui, c'est ça. Les 10 heures de bonne aventure, alors plutôt 10 heures vu la tranche qu'il a, lui. et puis des chiottes, parce qu'il faut bien les faire. Ah bah, juste à côté de Abdul, le liseur d'avenir. C'est ça. C'est exactement. Ça se trouve, c'est lui la mascotte de la zone. Abdul. Ah oui, ça aurait pu être lui, tiens, j'y ai pas pensé. Et donc voilà, quoi. Après, sur un bâtiment, en fait, il est assez simple, quoi. Il est vraiment joli ce bâtiment, j'aime bien. Ouais, c'est le pack des. C'est le. Les matériaux, c'est le. Enfin, c'est l'ensemble de bâtiments mauresques, en fait. Ah oui. D'ailleurs, qui est le même que j'ai utilisé pour faire le bâtiment de la Freefall. Mais en fait, avec totalement. Bah, pas du tout la même couleur.
Et en fait, on n'a pas l'impression que c'est le même type de bâtiment, alors qu'en fait, totalement. Quoi. Effectivement. Ouais, on y pense pas. Enfin, moi, j'y pense jamais de changer les couleurs. Je mets toujours les couleurs d'origine, mais. Ouais, moi, j'essaie de recolorer. Pareil, après, il y a plein de trucs qu'on peut recolorer qui peuvent bien passer, parce que là, la base en fait, des grilles, des murs qui sont là, c'est les murs de crypte du pack Spooky. Non, c'est vraiment les cryptes, en fait, pour le pack effrayant. Et en fait, avec un peu de recoloration, ça fait des vieux murs un peu mousseux, un peu crades, qui pourraient faire sens, parce que de l'autre côté, on a de l'eau, quoi. Donc on peut avoir l'humidité de la moisissure qui revient. Mais voilà, quoi. Vous voulez faire quoi comme attraction en premier ? Alors, écoute, on n'a qu'à faire depuis l'entrée, non ? Je sais pas, on peut aller faire des chaises, ouais. Alors après, bon, là, les chaises volantes sont... Ouais, les chaises volantes, ouais. Ouais, j'ai pas envie de... Mais oui, mon écran. Ouais, voilà, après, la particularité des chaises volantes, on va peut-être pas faire de on-ride ou de tout comme ça, c'est juste que... Ouais, et j'ai essayé, en fait, que le placement, on va aller à côté... Elle est vraiment au bord du précipice, ce qui fait en fait quand on est là, on a vraiment vu du coup sur le trou, ça rajoute un peu de hauteur et un peu de... Ouais, faudrait pas qu'il y ait un mec qui perde sa godasse en même temps que le train arrive, parce que sinon ça va faire... Non, c'est ça. En fait, c'est pour ça que j'ai l'idée en fait de mettre ces espèces de supports pour faire un peu d'ombre là, mais là en fait le rail était trop haut. Ouais, bah... Bon, tant pis, soit ça passe au travers, mais c'est pas réaliste, soit voilà. Alors j'essaie de penser à l'ombre un peu du coup à chaque fois avec des espèces de... Je sais pas pourquoi, ça me plaisait bien cette idée de... De mettre les rideaux... Ouais, je sais pas, je l'ai un peu foutu de partout, mais je trouvais que ça rentrait bien dans le thème un peu Moyen-Orient, quoi. Oui, non, mais c'est vrai que du coup, comme il n'y a pas de base dans le pack, quelque chose qui te propose quelque chose comme ça, oui. Non, c'est vrai que des voilages, ça serait super. T'as ceux-là du coup, mais voilà, c'est forcément avec les... le problème déjà c'est qu'on peut pas les changer la couleur et ils viennent avec la structure en bois, donc pour les files d'attente c'est plutôt pas mal, mais par contre pour mettre au-dessus de rails de compagnie ça marche pas, quoi. Ouais. Donc là pareil, pour faire un peu d'ombre, j'ai juste mis des planches parce que je me suis dit qu'en fait si on attendait un peu en plein canière là, sur des free falls qui sont pas des monstres de débit, il y a vite fait du coup de prendre un coup de chaud et on a vite fait de prendre un coup de chaud et voilà, quoi. Non, c'est pas ça que je veux. Là, je peux avoir une jolie vue. Ouais, normalement, oui. Ah, c'est sympa d'avoir... En plus, t'as un style deux étages. Ouais, je trouvais que ça faisait un peu bas. L'idée première, même, c'était de faire la file d'attente qui passe au premier étage, un peu comme a fait Trepper City, avec... Ouais, exactement. Sauf qu'en fait, c'était au niveau des chemins, c'était trop compliqué. Ça m'a découragé. Je dis non. J'ai dit bon, laisse tomber, parce que c'était. En fait, faire le chemin au-dessus était simple, mais faire une descente et une remontée qui soit jolie et qui. On va accélérer un peu parce que dans deux ans, il y a encore. Enfin, à faire pour pouvoir raccorder en fait aux allées principales, ça faisait vraiment pas. Enfin, ça faisait moche en fait. Il y avait une espèce de gros escalier qui descendait d'un coin et un autre qui descendait. J'arrivais pas à faire un truc joli, donc je suis resté en fait sur un truc de pont en me disant ça peut être pas trop mal, quoi. Ouais. Et dis donc, les bâtiments octogonaux comme ça, c'est un peu chiant à faire. Toi, tu fais quoi? En fait, j'ai juste fait une partie, c'est-à-dire que là, j'ai fait. C'est normal. J'ai juste fait en fait du coup vraiment cette partie-là, un côté en fait, j'ai vraiment fait qu'un côté de l'octogone. Voilà, on va m'expliquer, voilà. Je redescendrai, je t'expliquerai du coup. Mais en fait, j'ai fait une partie, je l'ai dupliqué après avec la grille pour le mettre de l'autre côté, pour avoir vraiment un pan de mur de chaque côté de l'attraction. Et en fait, j'ai fait dupliquer avec les déplacements complexes le bâtiment et pour le faire pivoter à chaque fois à l'angle que je voulais pour que ça fasse un octogone. Et donc, on a une jolie petite tour. Ouais, qu'est-ce qu'il est beau notre parc, la vache. Ouais. Bon, on voit que là, c'est pas du tout. J'ai pas du tout thématisé le reste de la zone sous coaster en fait, parce que pareil, je laisse.
je laisse en fait dessous, ça va faire derrière quoi. Oui, de toute façon, les hyper coasters, ça sert à rien de le faire sur le. De faire un. Une... Comment non, voilà. Pas derrière, parce que tu passes deux secondes dessus. Tu passes à toute blinde, bon. Voilà, donc en fait, pour expliquer comment j'ai fait, c'est que j'ai fait vraiment. En fait, on voit très bien. J'ai fait cette façade-là. Okay. Donc avec le sol. Et après, j'ai dupliqué pour l'autre côté, en la mettant du coup, en essayant de la mettre de façon symétrique par rapport à la free fall. Et après, en fait, j'ai tourné. Et donc, en fait, à chaque fois, on a un autre bâtiment. Donc, en fait, j'ai l'impression que c'est un bâtiment et c'en est 8. Enfin, 3. Ah oui, oui. C'en est 4, pardon. C'en est 4, encore pour moi. Oui, 4, oui. 8 divisé par 4, divisé par 7, 8. Ouais, ça fait 4, ouais. C'est 4, du coup. Ouais! Ouais, c'est bon, on a, ouais, niveau CP. C'est ça. Et donc après, et ben le père BM, du coup. Kiffé, je sais plus. Kiffé. Voilà, ça, il a l'air de faire kiffer, oui. Je vais regarder le. Ah, j'ai le truc d'enregistrement juste dessus, donc je vois plus. Je peux pas cliquer dessus. Je regarderai du coup combien il fait. Ouais. Je crois qu'il fait, mais je crois qu'il fait dans les 70 ou 73. Non, les 70 ou 73. Est-ce que je peux pas l'avoir d'ici? Ah oui, puis je l'ai appelé, le bateau pirate, j'ai appelé le bateau de la loutre. En référence à Piraten in Batavia 2. Ah bah oui, oui, tu m'étonnes. La petite loutre. Il y a vu. Ah, j'ai vu les peluches qu'ils ont sorties, mais elles sont dégueulasses. Ah, quelle honte. Ah, ça, c'est pas leur fort. Hein. Ah bah, punaise, moi qui adore les loutres, je suis un peu déçu. Mais même Snorri, elle, les peluches, je les trouvais pas. Bon, je peux pas regarder du coup parce que j'ai le. J'ai le logiciel d'enregistrement qui met un bandeau juste à cet endroit-là et je peux pas cliquer dessus. Tant pis. On va te croire sur parole en disant que ça fait dans les 70 mètres. Bah, ouais, je crois que ça fait dans les 70, c'est compagnie. Ouais. Je regarderai à la fin de la vidéo, ouais, je la mettrai. Et donc, bah voilà. Petite entrée, du coup, simple sous le. Sous, comment dire, la gare. Et en fait, pareil, j'ai essayé de placer le lift pour qu'on ait un petit effet sympa en sortant. Parce que. Ah ouais, d'accord, oui. Ok, ouais. On arrive directement là-dessus. Et j'ai beaucoup piqué l'idée à Fury 325 et à Orion avec en fait leur gros support, enfin leur gros spline qui soutient le lift, histoire d'avoir un lift beaucoup plus épuré. Ouais, d'ailleurs, il y aura même eu un poteau en moins, tu sais. Ouais, j'aurais voulu, mais ouais, j'aurais pu, mais voilà quoi, du coup. Après, on parlait des poteaux tout à l'heure. Peut-être en off-record. C'est vrai que je trouve par contre qu'il est trop supporté en fait le coaster. Je trouve que le jeu met beaucoup trop de poteaux en fait. On le voit bien là. Oui, oui. J'aurais pu tout faire à la main, mais non. Bah, il doit, je crois qu'il doit créer un poteau par segment. Oui, bah justement, j'ai essayé en fait de faire les segments au maximum et de supprimer et de refaire. Pour limiter cet effet-là, mais ça n'a pas changé grand-chose. Donc j'avoue qu'à un moment, j'ai arrêté, je me suis concentré sur le layout et le fait qu'il soit un peu, comment dire, pas qu'il passe bien, plutôt que les poteaux soient en nombre suffisant. Quoi. On va dire qu'on est sur une zone sismique, et c'est pour ça qu'il est super... Il est super supporté. Là, pareil, en fait, il y a... Donc des petits trucs pour l'ombre. À la base, il y avait aussi une partie du layout qui passait là, que j'ai modifié parce que j'ai modifié. Et tout simplement. Et puis là, je savais pas quoi faire comme bâtiment en fait pour faire un peu un effet parc à bœuf en cas d'affluence. Une petite file modulable. Donc j'ai fait un truc un peu style Panthéon, je sais pas quoi. Enfin, ouais, voilà, ça me disait bien, je trouvais que ça passait. L'idée en fait du bâtiment, c'est que c'est une espèce de vignoble ou quoi que ce soit. Alors je peux pas mettre de vigne, tant pis, mais du coup ça serait une espèce de bâtiment du jardin qui ferait genre parce que les gens sont riches et quoi que ce soit. Quoi. Furious Baco style. Ouais, totalement.
Il y a eu beaucoup... là, c'est vraiment inspiré. Heureusement, j'espère que mon coaster vibre beaucoup moins. Ah bah. Difficile de faire pire. Difficile de faire pire, quoi. Et donc, voilà, quoi. Et après, la fille... Bon, la fille, je l'ai pas... J'ai juste thématisé l'intérieur du bâtiment, mais pas la gare, très peu. Il y a quelques tonneaux. J'ai juste fait un petit, une petite cabine pour les opérateurs, parce que je trouve que ça fait plus réaliste que le truc posé au sol. Mmh. Puis voilà. Écoute, c'est pas mal. Ils ont l'air contents, hein. Ouais. Ah bah on a loupé le départ, tant pis. Je vais pas être sur mon train. Voilà, comme d'hab. Voilà. Ouais. Et là, ça monte. Silverstar. plutôt Shambhala du coup, vu le positionnement du catwalk. Oui, c'est vrai. Oui, c'est le mauvais côté. Puis il n'y a pas de fil. Ouais. Sur Shambhala, oui. D'accord. Sur Silverstar, il n'y a aucun filet nulle part d'ailleurs. Non, il y a juste le mur anti-bruit tout en haut là. Il y a des filets, mais qui font pas partie des. J'ai essayé. J'arrête pas de modifier le temps maxi et à chaque fois, j'ai toujours un bug du coup. La loose. Donc. Casse le rythme, Clément. Tu le supprimes et tu le refais. Non, parce que j'avoue que j'ai voulu modifier à un moment la fin parce que je trouvais trop longue et ça m'a tout perturbé au niveau des fréquences avec les middle breaks et j'ai tout refait. Notamment cette partie-là en fait où j'avais fait une espèce de. J'ai voulu reproduire le demi-tour de Shambhala mais ça allait pas du tout. Et donc en fait j'ai tout supprimé. Super luette. Ouais, ça me plaisait pas et ça faisait un truc trop. En fait, si j'ai voulu modifier, je vous dirai après, mais j'ai voulu modifier pour réduire les jets à un endroit en fait, qui était un petit peu élevé. Et au final, j'ai refait des jets un peu trop élevés à un autre endroit, donc ça ne servait absolument à rien. Bon, on va dire qu'en termes de longueur, il est plus cohérent du coup. Oh. Et après le repassage dans la zone, là, franchement, ça le fait. En fait, c'est cette partie-là qui montait à plus de 5G, je me suis dit, non. Ah oui, non, on va pas tuer les gens. Donc je l'ai baissé. Sauf que du coup, en fait, le gros demi-tour après le premier camelback fait aussi 5G, donc j'ai dit tant pis, j'arrête là, j'en ai marre. Franchement, les coasters en deux parties comme ça, moi j'adore. T'as la première partie où t'as fait des boss, c'est très dans la longueur, et puis à la fin, tu serpentes comme ça dans la zone. Oui. C'est trop cool. Je voulais en fait mettre de l'intégration, ce qui est rarement d'ailleurs avec les. En fait, l'intégration, c'est même à la base, je voulais pas faire un. J'étais pas parti sur un Hyper VM. Je voulais partir sur quelque chose à la Cheetah Hunt. Donc, une espèce de double launch in timing assez familial. Je voulais même essayer de reproduire en fait l'espèce de figure en bit là qu'il y a au début. Et au final, j'arrivais pas à avoir un layout qui me plaisait et compagnie. Et je me suis dit, non, on avait parlé pour un Hyper BM, ça pourrait bien marcher en fait. Et je voulais surtout avoir un coaster qui soit à peu près entre les deux. C'est-à-dire qu'on avait déjà le Junior que tu as fait Papyrus et l'Inverted que tu as fait Rider. Et je voulais vraiment quelque chose en fait qui soit entre les deux en termes de sensations. Parce que pour faire un peu un crescendo et puis satisfaire un peu tout le monde quoi. Oui, puis de toute façon, on peut pas avoir que des grosses machines dans un parc. Ça reste quand même une grosse machine, mais je veux dire, c'est plus. Enfin, même s'il y a la hauteur, je pense que les gens sont peut-être moins facilement effrayés par les hauteurs que par les inversions, par exemple. Bah oui, il n'y a pas de looping, donc tout va bien. Voilà. Donc c'était l'idée, du coup, de faire ce petit. Hyper BM. Je me suis même embêté, du coup, à faire des footers dans l'eau. Alors que la partie yellow, mais qui ressortent. Ah oui, on les voit pas d'habitude. Non, en fait, alors en vrai, il n'y a aucun poteau qui est vraiment dans l'eau parce que, en termes pour vérifier notamment tout ce qui est boulon et compagnie, ça serait très compliqué. Et donc voilà, j'ai rajouté ça du coup. Et puis j'ai rajouté un petit effet de splash là, ici à droite. Ouais. Mmh. C'est ce qu'on aime. J'en ai rajouté un. Alors, on va partir un peu travers champ. Alors, j'avoue que je me suis un peu pris de liberté parce qu'il y a quelques boss inclinés, chose qu'on ne voit que très très rarement sur des BM, voire jamais.
Oh, ça commence à arriver un peu. Voilà, mais je me suis dit que ça passe bien, du coup. Et j'ai refait un petit effet de splash ici, et sur le côté gauche du train. Donc au moins, les deux côtés ont leur petit effet de splash. Mais du coup, là, celui-là, par contre, personne ne peut le voir. À part de d'attendre des montgolfières, non ? Ouais, effectivement, je m'en suis rendu compte après, je me suis dit que c'était tellement bête, mais bon, maintenant que je l'ai mis, tant pis, on arrête là. Ah, ils font chier, je l'ai mis, ils font chier. Voilà. C'est ça, après on en profite. Depuis les cabines, tu le vois. Depuis les cabines, on le voit, et en fait, au premier rang, on se rend pas compte, mais si on est vers l'arrière du train, on le voit en fait, en ride. Après, je me dis, ça peut être une signature de notre parc, c'est-à-dire le petit effet caché, tu vois. Oui, éventuellement. Oui, c'est vrai que toi, t'as ta cascade. Voilà, il y a la cascade, et puis il y aurait ce petit effet caché. C'est ça. Donc les gens seront obligés de monter dedans pour pouvoir le découvrir. Oui, bah c'est un peu comme tout le ride que perso j'avais fait sur le dragon. Oui, mais en fait, depuis l'extérieur, on peut voir rien du tout. Mmh. Oui. Et puis il va dire, mais avec son dark ride, de toute façon, c'est... De tu base, peux pas savoir rien. Bon, j'essaie de travailler un peu l'éclairage de nuit. Alors là, du coup, sécurité oblige, j'ai mis aussi un espèce de grille un peu caché. Parce que qu'on a vraiment le rail qui passe juste au-dessus. Ouais, à la limite, tu pouvais même faire aussi des, je sais pas, des soit du lierre qui pendouille ou des trucs comme ça, mais oui. Oui, j'aurais pu, mais j'avais, en fait, j'ai mis des roses au-dessus et j'avais déjà mis du lierre ailleurs. Je me suis dit, je vais rester comme ça. Je vais rester comme ça, quoi, du coup. Ouais. J'essaie de mettre un peu en lumière le lift. Pour que ça attire l'œil, parce que c'est vraiment en fait la partie. C'est le gros de la zone, quoi. Ouais. Bah, t'aurais dû le faire comme les Américains, tu sais, avec ça clignote, ça avance comme dans les fêtes foraines. C'est génial. Ouais, là, c'est un super effet, c'est sur une montagne russe à plusieurs millions d'euros. Ça toujours oui, c'est ça. Je trouve que ça aurait pas forcément. Ça aurait fait bizarre, quoi, du coup. Ouais, j'ai jamais compris leur délire là-dessus, mais écoute, ouais. Eux, ils aiment bien. Bon. C'est ça. Tu me diras, le Silverstone, il fait pas pareil ? Ah, je sais pas. Non, ça clignote pas, mais ils ont mis des espèces de guirlandes de Noël maintenant, depuis quelques années. On va dire que ça aurait pu être, comment dire, un peu plus chiadé, mais bon, ça passe. Donc, Ah non, mais c'est chiadé, c'est de très bon goût. Enfin, franchement, c'est super, quoi. Je veux dire, t'as plein de détails de partout. Tes temples, ils sont pas clichés plus que ça. Enfin, bon, après, j'en sais rien, mais voilà. Vu que moi, j'aime bien le cliché, je m'en fous. Mais franchement, waouh, c'est impressionnant. Ta zone est impressionnante, hein. Franchement. Ouais, merci. Ah, il y avait un petit dernier truc que j'avais pas montré. On va refaire un tour de Skyride, là du coup. Ouais, parce que du coup, où c'est que t'as mis des stations ? T'as mis qu'une station ? Pour l'instant, il n'y a qu'une, alors qu'il est absolument pas thématisé. D'ailleurs, ça a du succès. C'est qu'il y avait un meilleur débit que ça là-dessus. Ouais, ou alors, c'est... alors le problème, c'est qu'en plus, alors, vous verrez pour l'instant, j'ai absolument pas fait l'autre côté. Hein. J'ai absolument pas fait l'autre côté. Entre guillemets, ça, la sortie de l'autre station donne uniquement sur l'entrée de la nouvelle de l'autre station. Là. Donc, on va se mettre. Allez, ça me tranche. Ah, ça me rappelle mes vacances au ski. tac, j'essaie d'avancer un peu. Voilà. Waouh. Oh, la classe. Franchement. Alors j'ai essayé de cacher aussi du coup le toit. J'ai pas fait tout le toit du coup, mais j'ai quand même mis du coup là une petite zone. On voit pas très bien le truc, mais de fleurs pour essayer en fait de cacher le toit, de finir le toit. Donc sauf à part le bug du clean ici, pour qu'on voit pas trop en fait que on est, enfin que le bâtiment a aussi un gros côté backstage et abrite des restos. Quoi. Ah, bah, qu'est-ce que ça claque. Si c'était comme ça dans la vraie vie, enfin si on avait notre vrai parc dans la vraie vie, il serait superbe. Il serait plutôt pas mal, ouais. Ouais, j'ai bien fait attention en passant dans la zone, essayer de pas tomber au niveau des attractions, que les poteaux soient un peu au milieu de la végétation ou des décors. Il y a juste celui-ci, il faut que je modifie, parce qu'il tombe en plein milieu d'un bâtiment, ce qui fait absolument pas logique. Ah. Donc
Mais comme je me, comme j'ai pas figé en fait le, j'ai absolument pas figé en fait le parcours de ça, ouais. Du télésiège, je me dis pour l'instant ça va rester comme ça, on verra après quoi. Et en fait là je me suis dit que ce serait quand même sympa d'essayer de passer un peu mieux l'univers tête parce que ça donne de l'attrait quoi. Complètement. Et j'essaie de le faire aussi de façon à ce que ça dénature pas trop la zone et que ça cache pas trop. Enfin. Que ça se noie un peu au milieu des poteaux du, déjà de, du coaster et que ça, ça se voit bien. Qu'on ait une bonne vue en fait de l'intérieur du télésiège, mais que de l'intérieur du ride, ça soit à peu près. On s'en rende pas trop compte quoi. Ouais, que ce soit transparent. C'est ça. De toute façon, vu la vitesse qu'on prend. Oui, voilà. Bon, après là, on va pas aller plus loin parce passer. Que vous voyez. Ah oui, effectivement. Ah oui, mais c'est ouais, même le mettre en chemin. Oui, voilà, comme je savais que tu voulais plus ou moins continuer par là, en fait, j'ai pas, je suis pas allé plus loin. Ah, mais... ah d'accord, oui, c'est... en gros, t'arrives... Oui, oui voilà, on arrive en plein rien, quoi. Ah, le mec, il a payé son ticket 15 euros pour... pour se retrouver face à du vide. Il va repayer 15 euros pour retourner à la liberté. C'est ça, du coup. Mais comme je savais pas, j'aurais pu mettre un truc provisoire, mais je me suis dit, tant pis. Et puis voilà, puis on va retourner tranquillement de l'autre côté. Ah. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et puis voilà. Donc, après, ouais, ça ferait bizarre une gare de télécabine qui arrive en plein milieu de la jungle, mais... De toute façon, peut-être obligé. Je sais pas. Voilà, pour l'instant, je sais pas trop comment encore on va terminer ça, donc je me suis concentré sur le reste et puis on verra après quoi. Après, faut pas oublier que, comment dire, même si c'est dans la jungle, on est sur le, comment dire, entre guillemets, le, tel de, enfin, le thème de la station thermale, l'hôtellerie, donc ça peut être très bien une sorte de transport qui t'emmène d'un point A à un point B. Oui, ça peut fonctionner. Ils font ça, très bien. À... Bon, t'as perdu. Oui. Ah oui, il a c'est bon. On a perdu Papyrus. Il a bon, de toute façon, en même temps, je pense qu'on va, je pense qu'on va s'arrêter là parce que de toute façon, on a vraiment fait le tour de ce que j'ai fait. On est déjà à 42 minutes de vidéo. Et puis voilà quoi, donc. C'était ma zone Liban, donc super bien compagnie. Ouais. Franchement. Ouais. Et puis qui finit bien du coup moi à côté du parc et qui permet de faire la jonction du coup entre deux zones. Quoi. Oui. On peut un peu circuler autour de la zone Chine, enfin plus de ramifications je veux dire. Non franchement ça va et du coup c'est vachement fluide maintenant. Enfin nos zones sont. Bon, c'était 4 zones en cul-de-sac. Ouais. Voilà, bah, du coup, un peu moins maintenant, parce qu'on a 2 du coup, qui ont plus de cul-de-sac, et après, il faut essayer de terminer du coup, les 2 autres. C'est ça, c'est ça. Ouais, c'est chouette. Ah bah, youpi. Bah, voilà. Superbe. Bon, bah, on dit au revoir à tout le monde. Hein. Bisous, bisous, les copains. Bah oui, du coup, à la prochaine. Je sais pas qui... Je vais passer mon tour pour l'instant, parce que je vais pas avoir trop de temps, donc soit Dim, soit Rider. Bon, de toute façon, on voit ça de notre côté en off, et puis bah, il reste plus juste qu'à vous remercier en tout cas de regarder, n'hésitez pas du coup à partager, à commenter ou à liker la vidéo si elle vous a plu, même si vous n'avez pas plu d'ailleurs, hein, vous avez le droit, après on n'est pas, oui. Pas sectaire, hein. Et on vous dit du coup, bah... Bonne continuation et à bientôt. Salut, salut. Salut, à bientôt. À bientôt.